Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu mechadesh maase bereshit bechol yom, que Akadosh Baruch Hu le renouvelle et toute la création chaque jour. Donc comme Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image, donc Hashem Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image, donc Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde que c'est Olam Gadol, et l'homme il a sa vie, c'est Olam Katan, c'est un monde petit. Donc, Chachamim, il dit que l'homme doit être comme Hachem. Il a des traits de caractère, Ma'ur Hanun, Afata Hanun, Ma'ur Rachum, Afata Rachum. Que l'homme doit ressembler à Kadosh Baruch Hu dans ses traits de caractère. Et mis à part ça, Kadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme toute la possibilité de le ressembler. Le fait qu'il peut créer, il peut créer une vie. Et tout ce qu'il y a dans le monde, il y a dans l'homme. Donc, comme Akadosh Baruch Hu, il crée chaque jour un nouveau son monde, Akadosh Baruch Hu, il veut que l'homme lui-même, il renouvelle son monde à lui chaque jour. Qu'est-ce qui affaiblit la personne? Pourquoi les gens, des fois, ils tombent dans les déprimes, ils sont incapables de faire des choses qu'avant, ils avaient la possibilité de faire? Parce qu'ils ne se renouvellent pas. Ils stagnent. Et quand ils ne se renouvellent pas, ils ont parti dormir avec des pensées X, ils se lèvent le matin avec les mêmes pensées, ils ne sont pas renouvelés. Donc il devient qu'ils n'ont pas d'énergie. Les marchavot, les pensées, même si la personne ne bouge pas physiquement, mais les pensées, il peut les prendre tellement, il peut faire le tour du monde avec ses pensées, et ça affaiblit énormément la personne. Mais s'il renouvelle ses pensées, s'il renouvelle sa vie, s'il renouvelle son monde à lui, la manière de penser, la manière de voir, la manière d'entendre, la manière de sentir les choses, la manière de parler, la manière de manger, la manière d'aller dans des endroits, change la manière que tu vas dans des endroits. Ça veut dire que tu utilises tous tes membres, tout ton olam, tout ton monde à toi, tu es mechadesh, tu les renouvelles chaque jour. Si tu vis comme ça, tu as toujours une énergie dans l'avodat Hashem, dans la emuna, dans le bitachon, et tu arrives à gérer ton monde. Or aujourd'hui, plus que jamais, les gens ils sont faibles, ils n'ont plus la force. Les nisyonot, les tests de cette génération qu'on vit aujourd'hui avant les venues de Mashiach, c'est quelque chose qui prend à l'homme beaucoup d'énergie. Ça veut dire que chaque fois que tu entends des nouveautés ou des choses ou des catastrophes, ça te pompe l'énergie. Donc l'homme, il a besoin de se renouveler, il a besoin de reprendre de l'énergie. De où il va les prendre? Il peut les prendre que de la Torah. Il peut les prendre que dans les moussards, dans les limous de la Torah. À la lumière qu'il y a dans la Torah, il les fait vivre. Il les ramène des forces. Mais si l'homme, il ne se renouvelle pas, s'il ne prend pas des forces, de quoi il prend les forces? Combien il peut regarder les choses qui le prennent d'énergie? Ça veut dire que pour renouveler ton monde, tu as besoin d'études. Ça veut dire que la Torah, c'est quelque chose qui peut donner à l'homme des forces à constamment avoir d'énergie dans la Vodat Hashem. Renouveler, pas être comme j'étais hier. Et savoir que quand tu fais le chemin le matin, quand tu fais le chemin le soir, c'est deux mamans que tu conclures la journée. Et une maman que tu conclures la journée, une maman que tu commences la journée. Quand on dit Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad, ça veut dire Elokim, c'est le nom d'Hachem en pluriel. Ça veut dire que quand tu commences ta journée, sache que tout ce que tu vas avoir aujourd'hui, la dame de la CAF, ton patron, les médecins, ton mari, les enfants, toute la vie, il faut que tu saches que derrière tout le monde, il y a la volonté d'Hachem de ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu vas dormir, encore tu fais chemin. On te fait rappeler encore que tout ce que tu as vu aujourd'hui, il n'y a aucun hasard. À quoi derrière tout, il y a la volonté d'Hachem.
Alors tu peux dire, ok, donc c'est quoi alors moi je suis une pion, je suis un robot, c'est quoi? Dans tout ce qu'on fait dans notre vie, on doit faire l'ishtadlout. Quand tu gères ton monde à toi, quand tu gères ton univers, simplement tu fais une ishtadlout. Tu fais une ishtadlout de ne pas voir des choses pas bien. Tu fais ishtadlout de ne pas faire de la shonara. Tu fais ishtadlout de ne pas entendre de la shonara. Ishtadlout, ça veut dire que je fais effort jusqu'à où je peux. Je fais ishtadlout d'aller dans des endroits bien. Dans tous les domaines, je fais ishtadlout. Quand tu fais ton ishtadlout, le reste, c'est plus dans ton domaine. Les résultats de ton ishtadlout ne dépendent pas de toi. Ça, c'est Hachem qui le finit. Donc, tu dois savoir qu'après que tu as fait ton ishtadlout de garder ta santé, d'aller travailler, d'aller faire des ishtadlout pour gagner ta vie, etc., le reste, ça ne dépend pas de toi. Mais ce qu'il va se passer à la fin de ta journée, il faut que tu saches que derrière tout, il y a Kadosh Baruch Hu, la volonté d'Hachem. L'homme où il se trompe, que des fois il a l'impression qu'il y a d'autres forces. Donc des fois les gens, ils commencent à faire une avodah zara, donc ils donnent trop confiance à d'autres personnes, des êtres humains. Qu'il faut savoir que les êtres humains, c'est Akadosh Baruch Hu qui le ranime chaque jour. Et si Akadosh Baruch Hu, il change son avis pour une personne ou X personnes, que toi tu fais confiance en lui, et cette personne il n'est plus là, donc quelque part, Hachem il te laisse dans la main de celui-là que tu fais confiance en lui. Donc si tu fais confiance à un être humain qui aujourd'hui il est là, et demain malheureusement il peut ne pas être là, donc tu mets ton confiance dans quelque chose qui est limité. Donc Akadosh Baruch Hu veut que tu mets ton confiance dans quelque chose qui est illimité, qui est éternel, qui était, qui est là, qui sera là pour toi. C'est le nom d'Hachem Havaya. Donc pour arriver à s'attacher à ça et faire confiance et constamment, constamment avoir cette adrénaline dans les relations avec Hachem, tu as besoin de vivre dans une manière que tu te renouvelles ton monde. Tu renouvelles. Hier, ta pensée X, essayez de s'améliorer tes pensées. Hier, tu étais énervé, essaie de travailler ta colère. Hier, tu voyais noir. Regarde, essaie de voir un peu plus clair. Jusqu'à ce que tu arrives à voir rose, mais ce n'est pas grave le temps que ça te prend, mais être dans le mouvement, un lot, un endroit où il y a de l'eau. C'est quoi l'eau vivant? C'est de l'eau qui bouge. Mais vous prenez de l'eau, vous laissez dans un endroit sans bouger, ils vont devenir pourris plus tard. Donc l'homme a besoin de que tout son mouvement soit toujours des mouvements positifs et renouveler son monde à lui.
המסע שלא נגמר בין שדות הצל ושדות האור יש נתיב שלא עברת